Idées reçues, idées faites d'avance, généralement fausses. Bienvenue à Recherchland, Researchland. Comme vous le voyez, notre domaine est très bien sécurisé. Toutes les entrées et les sorties sont surveillées. Je vous le cache pas, on a eu une petite intrusion une seule fois. Une seule, un juriste. Bon, on l'a vite repéré, hein. Un costume cravate, ça se voit tout de suite. Donc, surtout, n'oubliez pas de porter votre blouse, blanche évidemment. Voilà, ah oui, pour finir, pour le digicode, bah c'est tout simple, c'est la constante gravitationnelle à 4 décimales. Dans la recherche, on ne trouve que des scientifiques. Alors, la dernière fois que j'ai dû porter une blouse blanche, ça doit être en SVT en 4e. Bonjour, je m'appelle Romain Vélas et je suis juriste à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. J'ai passé un doctorat en droit privé et après j'ai passé le diplôme d'avocat où j'ai été avocat en droit des affaires pendant quelques années. Puis je suis arrivé à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Aujourd'hui, je travaille dans le monde de la recherche sur l'aspect juridique, donc l'accompagnement des enseignants-chercheurs pour la rédaction des contrats avec les industriels ou des partenaires publics, à savoir des accords de confidentialité, des contrats de collaboration, des consortiums, etc. Nous, on reste en première ligne en tant que juriste parce qu'on est en contact direct avec l'industriel, ou que ce soit privé ou le partenaire public. Mais derrière, il y a toute une machine avec tout ce qui est l'aspect RH, tout ce qui est l'aspect financier, parce que cette recherche publique, elle est financée par le privé ou le public. On va travailler un matin avec l'agriculture, l'agroalimentaire, la biologie, la médecine. Et l'après-midi, on va travailler avec le spatial et avec un partenaire américain, à savoir par exemple la NASA. Récemment, j'ai terminé un dossier afin de détecter les exoplanètes similaires à la Terre. Et le but, c'était de rédiger un contrat afin de pouvoir amener des instruments scientifiques de plus de 4 tonnes en haut du pic du Midi, savoir tout encadrer, qui est responsable de ce qui se passe. Cet instrument de 4 tonnes arrive du monde entier. Donc, comment l'amener et l'acheminer en haut du pic du Midi. L'enseignant-chercheur apporte le projet scientifique, donc sans lui, on n'est pas là. Mais sans nous, il ne pourrait pas aboutir à son projet. Et donc, on participe totalement à ce projet de recherche. Lorsque je peux voir qu'un projet a été abouti, j'ai un sentiment personnel d'y avoir apporté ma pierre à l'édifice.